Et ni 0% terre, il est chaud. Ouais, sur tout le monde. Hein. Contre un Zobalter. Ils sont bien. Bah après, il n'a pas l'air de taper très fort le Zoban. Hein. C'est vrai. C'est vrai, mais quand même, il est terre et il y a deux persos à zéro. Entre le drag et le phalanster, là. Et par contre, jouer 0% contre un SRAM qui peut éventuellement le sortir, c'est un pari risqué. En même Ouais, bon, temps, là, alors en vu l'occurrence, qu'ils c'était sont. sûr qu'il était R1. Ouais. Bah, je pense que tu prends ce pari quand t'es perdant sur la compo et qu'il faut faire un choix. C'était le cas, non? Ouais, Alors, on totalement. n'est pas d'accord. Et du coup, ça go sur SRAM tout de suite. Et par contre, l'initiative avec SRAM Steamer, c'est pour apporter quoi ça? J'avoue que c'est bizarre. J'ai pas vu ce qu'il a fait T1, il a érodé ou pas? Ouais, voilà. Bah, c'est ça, c'est pour éroder T1 sur cette map. Ça se tient. Sachant qu'il on dirait qu'il a maxé ligne, il a une épée Nice, le SRAM. Donc, il a dû vraiment target ça. Est-ce que c'est si rentable? Bon, ça a l'air pas mal, je trouve. Sachant qu'en plus, le Sacri a plus ou moins passé son tour. Avec l'assistance derrière, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est ça. Il a tapé sans érosion, il se fait assistance. C'est fort. Comme début de match. Alors, le truc qui est par contre dommage, c'est qu'en général, quand t'es contre un Sacri avec ton Steam, tu vas absolument jouer ton Steamer premier avec l'initiative pour Pour pas te faire pouvoir coop. évoluer ta bâtie et mettre tes secourines avant la coop. Parce que la coop, elle peut tout foutre en l'air. Là, Et là, ce typiquement, sera sûrement le cas. s'il y a une coop sur Steam, ça l'emmerde. Bah, C'est après, dramatique. il y a des lignes sympas pour poser une tourelle et sa spi. Je pense qu'il peut quand même peut-être se débrouiller pour Evo. C'est même pas sûr, hein. Si Pas les de cas, grimace des obels. il. Ouais, pas de grimace. Alors pourquoi? Sachant que bon, il reste 4 PA et il a rien à foutre. Ok, d'accord. Zobal qui a quand même des belles résistances, hein. Par contre, c'est pas le Zobal qu'on a vu à terre qu'on a. Ouais, c'est ce qu'on Bien disait. solide. Il a de la chance parce qu'en face il y a 0% de res, mais il va pas taper grand chose. Et du coup, ça Odora, dommage de pas avoir Odora le Sacri, ça aurait pu lui permettre de coop plus loin. Mais c'est un Nekafull Dopu? Terre En d'Oppo, terre ouais. de poule quand même, ouais. Ouais, terre d'Oppo, ouais. Il n'y a Terre pas de d'Oppo, chevelure, donc. mais beaucoup d'Oppo quand même, parce qu'il a l'air d'être en panoplistique. Donc vraiment très axé d'Oppo. On le voit, il vient de mettre une ligne de Dopu à moins 400 sur 95. Donc c'est du vrai Dopu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Et du coup, par contre, il est érodé, donc il fonce, mais. Ouais, il a pas froid aux yeux, Fela Leka Flip, effectivement, parce que là, il pourrait descendre rapidement. Après, il considère que son sacrieur va peut-être le sacrifier. Y a pas de debuff hein, en face. Enfin, si, il y a le Zobal, pardon. Il y a le Zobal. Ouais. C'est pas encore un réflexe de dire que le Zobal debuff. Ouais. Mais Et du par coup, contre, c'est la bizarre team parce ennemie. que ouais, la team Steamer Zobal SRAM, ils jouent tous en Phalanster et ils sont contre deux personnages mêlés, finalement. Ah, attends, ça kill la bâtie. Oh! Ah, ouais, c'est encore mieux que plus team, ça. Ouais, c'est rentable. Hein. Oh, ça, par contre, c'est hyper hyper gênant. Parce que autant tuer la bâtie SCAF après le T2. C'est souvent pas très impactant parce que on va dire que les Il PA a sont vite déjà le cooldown. posés et tu la reposes vite. Mais la tuer avant le tour 2, ça c'est vraiment dramatique. C'est pour ça que jouer le steamer deuxième, c'est un énorme C'est pari dingue. parce que là ça leur plombe le match là, de jouer sans Bah quand bâtisse même enfin, pas, en tout cas. je pense, parce qu'ils ont un net avantage, mais. Bah voilà, il sert à ça sur l'ulti. Yes. Voilà, Brisbane Voilà. qui est pas mal. Hein. Ils ont pas du tout de debuff. Ouais. Le steamer qui joue avec une très haute vita de base, du coup le chalutier, c'est un tank. Ah, le SRAM qui a pas été trouvé par le mot de silence, mais quand même du bon retrait qui passe. Ouais. Moins 3 sur les deux, pas mal. Moins un sur chalutier. C'est vrai que le chalutier est meilleur. Chalutier, ouais. Trop fort, hein. Bon, du coup, on a posé une érosion sur le SRAM qui s'est invi juste après. Et en plus, le SRAM, il s'est invi et il a mis son érosion sur les K. Du coup, il n'est pas forcément obligé de sortir d'invi maintenant. Ouais. Et Passe tout et pose ses poisons tranquille. ouais. Wow.
Oula, ça va quand même. Ça, ça fait quand même bien mal, hein. Ça va, hein. En vrai. Ça va, ouais. Pour 0%, un... Putain, il t'a du 800 Phalanster, c'est quoi ça? Ça va, ça fout les caflips, quoi. Bah, mine de rien, elle aurait tapé quand même 400 sur 50%, c'est quand même pas mal. Ouais, avec c'est vraiment pas mal. Ouais. Du coup, ça passe sur le Steam. Et c'est un gros tour, là, quand même. Ah, là, il va mettre un vrai tour. Single libé, je pense, vu qu'il y a la brise là. Passer en Galicie. Ah. Ok, il s'en va. Ouais, c'est pas ouais, forcément une mauvaise idée de partir loin de ce Zobal. Ouais, sous le Zobal, parce que le SRAM va certainement pouvoir lui sauter dessus directement. Il passe en Eben 5, c'est un peu dommage quand même, même si son Eben doit pas être énorme vu son stuff. Ouais, intéressant de le passer. Ouais. Du coup, est-ce que le SRAM sort d'un vie? A mon avis, le SRAM il est très loin, à mon avis il est par là. Donc pour aller sur le SRAM, c'est pas forcément le plus évident. Sur les cas. Ouais. Sur les cas, ouais. Ouais, voilà. Il est vraiment loin. Effectivement, ouais. Donc il spam ses manigances et il ira au prochain. Ah, c'est un SRAM boost. Et il joue peur. Peur, ouais, pas mal de choses. Ah ouais, c'est original ça. On voit souvent des SRAM jeux méprise actuellement, ça paraît plus fort, mais pourquoi pas. Et là, le sacré qui doit se rebooster. Projection. Ouais. T'as pas de distance. Yes. C'est chiant parce qu'il faut qu'il rebooste son déchaînement et... Ça va parce qu'en le boostant, ouais. Ah, mais ah. Du coup, s'il est là, il peut pas le lancer sur lui et toucher le steamer, tu vois. Ouais. Ouais, du coup, il a dû taper son énergie. C'est pour ça que j'ai un peu du mal avec le sacri haut, c'est que la zone carrée, elle est vraiment super contraignante. Sachant que ça tape les alliés et que... Du coup, au final, la brise lame qui aura pas été si handicapante que ça, hein. Enfin, elle est toujours présente. Bah, ça reste quand même pas mal de forcer des personnages qui sont mêlés à taper mêlés, à distance sur un Phalanster. Ça reste ok, hein. Par contre, ouais. Steamer qui va partir super loin. Je sais pas s'il était si rentable que ça, ce coup de cœur. Ah, je suis pas sûr. C'est pour placer les Ben aussi. Ouais, mais partir plus loin, c'est rentable aussi. Attends. Lenny, il a les Ben haut de qui, là? Les Ben haut sont sacrés. C'est sacré. Aïe. C'est son sacré. Eh oui, parce que le SRAM a passé en Eben 5. Ouais. Du coup, ouais. Les premiers dégâts du sacri, il a mis le Ben sur son ennemi. Et ça, c'est dur à voir parce qu'il est invisible, donc tu. Ouais, c'est pas marqué au-dessus de ta tête qu'il a un Ben 5. Mais en même temps, c'est logique, on était 3, il est invisible. Ah, mais faut être chaud pour y penser. Ouais, c'est ça. J'avoue que. Je pense que peu de gens. Ça fait mal, ça fait mal quand même. Mais ça fait quand même. Ouais, assez mal. Bah, enfin, ça fait mal sur les Nirepsa, c'est pas forcément un problème, mais plutôt de pas l'avoir mis sur le Steamer. Et les Nirepsa, tu dis que c'est pas un problème, mais si le Zobel il fait un tour sur les Nirepsa, il est mort. Hein. C'est vrai que là, pas de full cag déjà. Ouais, regarde, regarde si c'est pas un problème. Ouais, ok, ça devient un problème quand même rapidement. Ouais, en fait, ça serait pas un problème s'il avait des raids équilibrés, mais là. C'est vrai que c'est vraiment très osé d'avoir. Et sachant que le SRAM sort d'un vie, il lui rajoute un Eben. C'est ça. Il en a 4 en Eben 5. Là, c'est. Lenny, il se fait one turn en fait. Le chaton et les griffes de Singal, du coup, pour venir taper le. Voilà, le corollaire, mais du coup, pas beaucoup de dégâts. Attends, mais il y était déjà le corollaire, qu'est-ce qu'il fait? Sur le steamer? Ouais, regarde, oui. il y en a deux. C'est vrai qu'il y en a deux, il y en a deux là, du coup, ouais. Double corollaire et le. Cette fois-ci, la chance qui est passé. Un chaton enragé d'ailleurs, ouais, il considère qu'il n'avait pas besoin de plus de soins. C'est dommage de faire un tour où tu fais pas de dopou quand ton stuff est autant axé dessus. Ouais. Surtout qu'en plus, il n'y a pas forcément trop besoin de l'éroder tout de suite. Du coup, le SRAM va défoncer les Nirepsa effectivement, et les Nirepsa se retrouvent en grande difficulté. Et au prochain, il est retour de chance avec 4 Eben. Ouais. Ouais. Bah, il va certainement se faire sacrifier, du coup. Ouais, c'est le moment. Au prochain, je suppose, parce que s'il le fait là, du coup, ça sauterait pour le prochain tour. Et là, la zone d'échelonnement qui est hyper contraignante pour le sacrifier. C'est vraiment.
Après, je pense que Lenny, il y a moins qu'il joue avec le Marc de Régène et qu'il soit assez à ce tour avec son lapin et tout. La marque de Régène. Ouais. C'est bien ça, je t'avoue que j'ai jamais joué. Ouais. Franchement, c'est grave mieux que le mode Régène. Pour soigner Lenny, tu veux dire? Bah déjà, ouais, Lenny se soigne soi-même, mais en plus, s'il bouge du glyphe, les alliés peuvent se poser dessus pour se faire soin, tu vois. Attention à ce steamer quand même qui descend beaucoup, il a combien? Il a 2 ébènes. Oh là là, bah imagine, tu vois, ces dégâts là, s'il les avait mettait pris un en petit tour mêlée, de pou en vain. S'il les prenait en mêlée, et ouais, si en plus il avait un ébène haut depuis 2 s'il avait tours. l'ébène haut, ouais, qui aurait fait 2 tours déjà. L'ébène haut depuis 2 tours, sachant que l'ébène de Sacré, à mon avis, il tape un bon 400. Bon, peut-être pas sur 35%, mais. Là, on a la relance bâtie. Ouais, du coup, un tour défensif fait avoir le steamer, c'est nécessaire. C'est ça, une petite soupape gratuite, on va dire. Donc là, c'est vraiment la course qui meurt le premier entre Lenny et le steam. Oh, aïe aïe aïe! T'as vu les bennes? 448, les bennes terre de Zobal. Ah ouais, c'est assez insane. Et son stuff, il cogne vraiment très fort à ce Zobal, hein, malgré tout. Ouais, bah il est encore sous Furia. Furia crit en plus. Plus manigance. Ouais. De son SRAM, donc il a plus 74 dommages. Ah, ça aide, c'est sûr, quand il y a 0 de résistance, c'est vraiment 74 dégâts purs. Ouais, c'est bien vrai, 74. Ouais. C'est vrai que c'est assez énorme. Lenny qui remonte quand même pas mal, qui a le mot de prévention en plus. Le Zobal, est-ce qu'il va chercher à continuer dessus? Je pense que bah, oui. Sachant qu'il est sous chance. Là, il est sous chance. Est-ce qu'il a pas intérêt à mettre 2000 dégâts sur cet EK là? Ouais, c'est vrai que l'EK aussi est à 0% terre. Pour mettre la pression sur, sur une autre personne, sachant que Lenny. Les Leka, il a pas d'ébène encore sur la tête, mais il pourrait quasiment y passer, effectivement. Ouais. Psychopathe. Ouais, pour les furiens. Ok, ouais. Il aurait dû faire ça. Non, il avait pas les il avait plus les furiens, effectivement. Ouais. Ouais, peut-être que mettre l'arc qu'on peut. Je pense que l'arc, c'est plus intéressant avant, quand même. Parce que... L'arc en coire pour des locks l'ivoire, c'est ça que tu veux dire. Ah, puis même en fait, je pense que les dégâts à distance sont plus intéressants sur l'arc que la Furia. Alors. Mais du coup, ça passe sur le Zobal. Mais il n'y avait plus la brise lame là. Ouais. Il a tapé à distance. Et du coup, il voulait surtout vous s'en aller après. Ouais, tu penses que c'est ça la raison? Ouais, je pense. Ou la zone qui est prise. Elle est belle celle-là. Ah non, ok, pas de zone qui est prise. Non, on continue sur les cas flip du coup. Hein. Ouais, ok, mais Lenny est en x1,5. Ouais, Lenny a l'entour de chance, mais il est capable de très très mal. Après, il fait le choix qu'il veut, mais le truc, c'est que Lenny arrive ça, il a je sais pas combien d'ébène, le Steam peut en remettre un. Donc peut-être qu'il mourrait maintenant. Ouais, est-ce qu'il y a le sacrifice qui sort dans le... Enfin, je pense qu'il joue avec. C'est pas dit, hein, honnêtement. Ah. Bah, il a pas eu l'occasion de. De lancer la pénitence encore, ça aurait pas été intéressant à un moment. Donc le Zobal, attention quand même à lui, ouais. Il prend. Arrive carrément. Là, le Steam, il a sa bâtie. Ouais, le Steam a sa bâtie, donc le Zobal va pouvoir se faire protéger. Ouais. C'est tendu comme match là, des deux côtés ça peut partir vite. Hein. Ouais, mais plutôt du côté de la team ennemie. Hein. Plutôt eux qui vont partir vite. Ils vont partir vite. Bah là, les là, un tour Zobal sur retour de chance. Ouais, sachant que le Zobal pourrait commencer son tour par un Purgatorio pour enlever la prêve, si jamais il le touche. Mais la prêve s'enlève avec les ébènes. Ah c'est vrai, t'as raison. Ouais, elle va partir très vite la prêve. Et voilà, elle est déposée. Et voilà. Hop, debuff. La quoi tu disais? Ah, il l'a debuff, bien joué à lui. Ah c'est compliqué. Ouais. Le salutier est clairement l'ennemi numéro 1, il cherche à l'abattre directement, bien joué. Bah, faut le focus tout de suite. Hein. Ouais. C'est un quelqu'un quand même qui est bien mal en point, les cas flip. Ouais, mais là, le Zobel le tue, là. Non peut-être que je m'enflamme. Tu t'enflammes un peu quand même. Ah est-ce que tu connais le nouveau sort terre du Zobel là, qui tape du 40 de base, là? J'ai oublié le nom, Ronda, un truc comme ça. Je connais pas le nom. Franchement, j'en ai jamais entendu parler. La variante du Purgatorio. Parce il est Ronda. Il peut attirer les cas à son cac ici et lui mettre double Furia. À mon avis, il a chaud. Ah,
Ah, mais ça m'étonnerait qu'il l'ait quand même. Hein. Bah, Purgatorio est très fort, même si tu es terre. Mais Ronda tape archi fort et te permet justement, dans ce genre de cas, de ramener le mec à ton cac, puis ça attire de deux. Avec Flamingis et l'énorme coup de cac, avec en plus l'ébène qui est placé. C'est le premier ébène hein, quand même sur les caflits, donc pour l'instant c'est pas inquiet. Ouais, et la grimace, qui est à l'ouest. Là, il peut aller chercher la marque de régène, prendre du 6 en dessous. Ouais, okay. Ça pourrait être intéressant. Et s'il fait ça, du coup, il fait pas grand chose d'autre de son tour. Ah, il faut qu'il survive au SRAM, hein, dans tous les cas. Il va mettre son ébène quand même sur le Zobal. Et effectivement, il va chercher la marque de régène. Ou alors, il va fuir encore plus. C'est ce qui est le plus intéressant. La marque. Ouais, la marque, a priori. Il a encore un petit fourvoiement sur la tête. Est-ce qu'il peut le tuer? Je ne pense pas. Hein. Avec un répu, le SRAM, il veut venir prendre sa zone fourvoie là. Elle est bien. Ouais. Elle est belle, celle-là. Pas un répu, là, du coup. Ouais, il préfère... Est-ce qu'il a le sacrifice, ce sacrifice? Bah, disons que s'il l'a, faudrait penser à le lancer, quand même. Que s'il l'a, ça serait même beaucoup attendu, quoi. S'il l'a, il l'a grave bien tempo. Ouais. C'est, ouais, c'est du brain, là. Ouais, là, c'est du mind game de, tempo, de qualité. Ouais. Il l'a pas, a priori. J'en serais plutôt tendance à dire qu'il l'a pas. Par contre, là, la zone déchaînement, elle fait plaisir. Ouais, la grimace direct, ouais, c'est nickel. Ouais, et le Zobal, il vient de la poser. Hein. Il y a le steamer qui joue, heureusement pour lui, parce qu'il a quand même 3 ébènes. Hein. Là, le Zobal, il se prend secoue, blindage, gardienne. Et assistance. Ouais, mais il a quand même 2400 de vie max. Ouais, j'avoue. Ah, c'est grave. Assistance, elle sert. Ah, si, pour le déloc. Assistance bâtie, je veux dire. Pour lui il y a un seul PM, le Zobal. Comment il a pas de PM? Destins, écoute. Ah, c'est les destins. Non, le lapement. Ah ouais. Ah, oh, des lapements plus destin. Il y a qu'un retrait PM. On trollait sur le retrait PM et on se retrouve avec un Zobal à 0. En plus, là, Lenny peut se remettre full avec les cas. Et du coup, ils ont l'avantage un peu sur les ronds. Ah ouais, ouais, là ça. La team Eni ça part pas mal, mais dans le bon sens cette fois-ci. Hein. Mais pas tant que ça, parce que genre 3000, non, 3000 HP max et 0% terre, c'est... tu te fais one shot à tous les tours du Zobal. Ouais, mais il y aura peut-être plus beaucoup de tours de Zobal non plus à ce rythme-là. Hein. Ouais, en fait, c'est pas mal de toucher le Zobal, parce que si le Zobal il peut pas taper, du coup les 0% sont pas graves. Ouais, ouais, le SRAM du coup, qu'on revoit... On revoit les SRAM R et ça. Prend un peu son rôle d'avant, on va dire, où il passe son temps à éroder, mais il fait pas de gros dégâts, quoi, comme on voyait avant. Il sert un peu à rien. Le up du Ouais, il sert à rien, on va pas se mytho. Bah ouais, mais il y a pas de gros dégâts sur un tour, quoi, du coup, du SRAM. Ouais, du coup, c'est nul. Bah ouais, c'est un SRAM. R. Le mec, il est quand même 15 PA là, et je pense qu'il est un peu triste de avoir 15 PA, 1 PM. Là, je pense que c'est le moment de taper. D'y aller. Hein. Oh, moi, j'aurais tapé sur Sacri, je crois. C'est vrai qu'il est pas si bien, ouais. Il a que 17% terre aussi, Sacri. Hein. Bah, en vrai, le Sacri, en fait, il peut se faire tuer par le. Ah. Un plastron, ouais. Attends, pourquoi Tabac est pas chalé? Il anticipe le prochain tour du Sacri, peut-être. 16 PA. Vous voulez sûrement pas tellement taper, mais plutôt, ouais, c'est retiré du PA. Après, il y a toujours le soin qui est intéressant. Ouais, okay. C'était pas pour taper, d'accord. Corollaire, du coup, on passe sur le SRAM, mais on y passe quand même gentiment, hein, sans deux coups. L'érosion, je sais pas quand même. C'est drôle, mais du coup, les 6 personnages sur la map auront été focus à un moment. Bah, Sacri, ouais, le lapin. Ouais. Ça part dans tous les sens, hein, ce match. Vraiment dans tous les sens, il tape tout ce qui est dispo en fait à chaque tour, et là, le SRAM, justement, est-ce qu'il y a. Ouais, est-ce qu'il peut le SRAM, pour l'instant, il est pas très inquiété. Non, il est pas inquiété. Mais du coup, il va devoir passer sur sa clear quand même. Ah, voilà. Le SRAM en plus, il a sa relance invie. Donc voilà, le sixième perso érodé du match. Et le Sacrier, ouais, qui est pas si bien que ça du tout. En fait, il a pas beaucoup de résistance à pare-feu. Donc, s'il avait pris un petit coup après, global, après, le Sacrier, à son tour, il récupère la vita du déchaînement là, donc. Pas si mal. Enfin, ouais. il est moins mal qu'il en a l'air. Et là, du coup, il y a une brise lame, donc s'il veut taper, c'est à distance, encore une fois. Il peut la clean un peu, quand même. Il peut tenter. Ouais. Parce que là, la bonne zone de 3... C'est vrai que peut-être... Ah...
Ouais, Ah, ça coûte quand même les deux déchaînements, hein. Ah, c'est dommage, Oui, c'est pas mal. dommage Ouais, l'ordre du déchaînement. Parce oui, que du c'est coup, dommage. si ça avait tapé la gardienne en premier, ça l'a tué et ça tapait les deux autres. Dommage pour lui, effectivement, mais du coup, ça ferait que c'est un tour qui sert pas à grand chose parce que la brise-lame, de toute façon, ensuite elle aurait forcément été utile. Bah, Le il aurait steamer? pas pu faire grand Ouais. chose d'autre. Non, peut-être pas, mais rien que peut-être taper à distance le steamer au final, ou quelque chose comme ça. Le steamer qui rush pour mettre des dégâts sur le sacrilège, notamment son ébène, donc c'est vraiment un que sacré qui est annoncé, balle qui est ramené. Et là, il n'y a peut-être plus tellement de cooldown défensif sur l'ennemi, enfin, en tout cas, il n'y a plus de mot de prévention. Attention à ce sacré. Il revient bientôt le prêve, non? Il a lancé quand? Il a été clean il y a pas longtemps avec les ébènes, donc il a dû être lancé il y a 2 tours, je dirais. Ah Je ouais, pense qu'il l'a au prochain. je pense qu'il Au l'a au prochain, prochain, 3 ouais. alors, ouais. Pas Effectivement, pardon. plus tard qu'au prochain, en tout cas. Ouais, ok, mais en tout cas, là, il l'a pas. Et du coup, là, le Zobel, cette fois, il a des PM, mais il a pas de PA. Ben, il n'a pas de PA quand même, ouais, il a quand même ses 11 PA et ouais, il a PA dispo. Il a très mal Mais ce les Zobal, et mêmes. là, il est vraiment safe pour ce tour-là. Là, Ça le sacré, en vrai, il peut mourir, je pense. ils ont vraiment l'avantage de la pression, en tout cas, côté Croco Squad, parce que du coup, en face, ça ne fait rien, les Caflip, ils restent loin en permanence. Peut-être le En moment de vrai, se réexposer, hein. le sacré, il a deux ébènes. L'Eka ne peut pas faire grand-chose pour lui. Et le SRAM, il peut sortir d'un vie et lui mettre assez de dégâts pour que les ébènes finissent. Le SRAM, il va passer en ébène 4 à son tour, donc il en remet un. En Ouais, plus, du donc coup, ouais, le il y a sacrilleur peut-être pourrait moyen qu'il mourir. meure. Hein. Après, c'est un sacrilleur qui va être en souffrance route. Ah, le Zobal qui va prendre cher quand même aussi. Ouais, Le Zobal qui prend mais. très Ah cher. ouais! Ah 150 ouais! points de vie, En fait. 1200 max, hein, Bon, sacré. donc Si le là le sacré calcul est meurt. clair. Ouais, si tu tues le Ouais, sacré, voilà. c'est bon. Et si tu le tues pas, il tue ton Zobel. Il y a combien d'ébènes sur le sacré? Il y en a 2 actuellement. Il vient d'avoir un Ah, troisième. il y a en plus. Ça peut tuer, hein. Tu sais, c'est pas des petits ébènes, c'est des ébènes du Manigance, c'est bien Zobal. vu. Ouais, c'est des vraies ébènes qu'il a. Hein. Trois ébènes, ça passe, je pense. Ouais, à mon avis, ça passe. Ah, C'est je tendu. pense aussi. Non, mais l'ébène du Zobal, il fait archi mal. Ah, ça passe, effectivement. Ça doit pas passer à tant que ça, on a 234 Ouais. sur l'ébène du SRAM. Je pense que ça passe de genre 70, un truc comme ça. Autant que ça, tu Ouais. penses que l'ébène du SRAM tape 300? Ça Non, m'étonnerait. ouais. Bah, L'ébène il du y a pas SRAM mal tape de moins fort que dos celui sur du le Zobal. stuff air. Bah, Je sais non, pas. le sacré, il avait quand même 17% terre, genre. À 17 R et 27 R, donc je pense qu'il tapait pas tant que ça à Ouais. son rond. Je pense que ça passait très peu. Hein. Le Zobal est sous Furia et Le. tout, donc son ébène tape fort. Hein. Ah, j'avoue qu'il est fort. Parce que le SRAM est manigance aussi, même. C'est vrai, il y a quand même une manigance, Ouais. mais ça va quand même pas passer à grand chose. Et là, du coup, Et c'est du très coup, ouais, compliqué. Les ça fait Caflip, il va revieux, là. tomber. Hein. Il a 2 ébènes sur la tête. Et il Ouais. va se prendre du On Zobal. est d'accord que ça se joue à l'arnaque crit qu'il a fait en début de tour. Ça se joue Bah, vraiment à ça, sans franchement, jouer. ça se joue à En rien. vrai, oui. Ouais, non, c'est vrai. Ça se joue La vraiment beauté des BO1. à ça. Ouais, c'est ça. T'imagines, tu joues un BO1 sur un crit arnaque, on va les vénards. Aïe, aïe, aïe. C'est triste, hein. Ouais, c'est un bon principe, hein. Bah ouais. Je pense Et que du sur coup, cette ça a saison l'air. 4, on va regarder ça. Hein. Ouais, je pense, mais surtout. Ouais, c'est pas assez trop drôle en vrai. Quand t'es en spec, c'est bien. Et on fera un tirage de raton voleur contre Band of the Hawk à tous les tournois. Bah, yes. Et du coup, les Caflip qui devraient tomber. Ouais, sans problème, le coup de cac qui devrait même suffire en fait, peut-être même sans les ébènes. Non, y a pas de crit. Non, Ah, mais bah, du coup, non. Les ébènes ça tombe pas. Ah, il Y a attends, il n'a pas pas. d'ébène, hein. Ah, il n'y en a plus qu'un avec. J'en voyais deux, mais c'était celui du Zobal qui vient de partir à son début de tour en Ouais. fait. C'est vrai. Du Les Caflip coup, ne tombent pas et le contre Zobal son. tombe, c'est au moins ça. Ben voilà, ça se joue encore à un crit. Yes. Yes, les BO1. Après, ça change pas grand chose parce que dans tous les cas, là. Non, là, c'est fini, de toute façon. Il a beau avoir 9 PM, il n'y a rien qui l'empêche Une de corrupt sur le SRAM, surplomber. peut-être? Est-ce que Lenny peut un V2? Est-ce que c'est une Peut-être. réelle En vrai, question? le Steam, il a 1900 HP, genre. Ouais, mais Franchement, 1900. ça se joue pas à grand chose. Mais non, mais il peut pas, mais ça se joue pas à grand Ouais. chose, combat. C'est ça, putain. C'est horrible, hein. Ouais, T'as ça vraiment joue à très l'impression peu. Ça joue que. peut-être aussi. À l'ébène sur le Lenny, hein. Sacrilleur. Ouais. Ça Mais change ça, la la petite. physionomie du match parce que du coup, Lenny s'est Ouais. retrouvé plus en difficulté qu'il aurait dû l'être.
Ouais, et le steam moins. Et le steamer moins, donc ça change beaucoup de choses. Après, mine de rien, sans le trou terre, il n'y avait pas ce désavantage pour ouais, voyer ouais. dès le début de la draft. Oui, mais bon, sans le trou en terre et avec un zobel d'un élément logique, genre Dopu, peut-être que c'était pareil. Ah, le Renrest, c'est bien des fois. Ouais, ouais, ouais. On va plus voir un steamer terre. Ouais, ouais, je sais pas. Je sais pas. Ouais, si ça galère quand même de voir les sorciers. Sur un brain raise, mais. Est-ce qu'il tue 100%. Je sais pas si. Mais il a mis un ébène. Mais il a mis un ébène. Ah, il a mis un ébène. Oh, mais Lenny joue. Ah, mais Lenny fait quoi? Ah, bah, oui, c'est là oui, qu'il lâche le mot d'envol. Mot d'envol, presque, con, c'est win. Attends, est-ce qu'il peut deux. Il peut venir prendre une zone moins éclatante ici. Mais en vrai, si il fait survivre les cas. Attends, bon, c'est quand même loose, mais. Oui, mais la Kawotte est mieux sélectif. Ouais. Putain, bien joué. Attends, là, il peut mettre un full tour sur le steamer. Entre chat et full tour. Ouais. Mais ça suffit pas. Attends, il a combien? Attends, ah, quoi, il est en retour de l'eau. Mais tu, en fait, je crois. Il est en casse-pria. Oh, le con, va fou. Attends, est-ce que ça passe? Bah, je pense, hein. Allez, 14 PA, ça fait quoi? Ça fait double. Double destin, Libé, Sengal. Ouais, le c'est Sengal, ça. Double Sengal. Et en plus, il met un Eben. Mais non, pas un Eben. Mais ça passe. Oh, je suis mort de rire. Ça passe. Et du coup. Et est-ce que le SRAM, il peut le tuer? Le SRAM ne peut, je pense, rien faire sur les cas là. Ah, c'est incroyable de gagner là. Incroyable! C'est vraiment incroyable! En fait, aucun sens ce match. Pourquoi vous voulez des BO3 alors qu'on voit des BO3 entiers en un seul match? C'est vrai. Ok, go full BO1 alors. Waouh! Oh, c'est magnifique. Est-ce que le SRAM peut 1v2? Attends, pourquoi il fourvoie pas la zone? Ah, il veut pas tuer le chaton. Ok. Bah ouais. Ouais, mais ralliement, et il va se. Ralliement, prêve, un peu de soin. Ouais. Ouais, GG, hein. C'est incroyable ce qui se passe sur la KTV actuellement, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Ce match n'a aucun sens. C'est énorme. Il est trop bien ce match. C'est énorme. Franchement, ouais. On a choisi le bon. Oh. Wow. Ouais, c'est fou. C'est fou, il y a trop de trucs bizarres. Ouais, il aurait pu partir dans l'autre sens quand même, mais. Là, c'est le chat. C'est la bénédiction du chat qui est en train de se battre. avec la draft en 1. Ouais. Waouh. Et c'est le mec à 40 HP et qui se fait one turn. Oh, c'est terrible. Ah mais c'est tellement ça quoi. C'est grandiose. Waouh. Il a choses, quand même pas tué un mec à 200 points de vie. Hein. C'est jouer qu'à des petits points de vie ce match. Ah, le SRAM qui tente, mais est-ce qu'il a raisonnablement une chance? Bon, enfin, normalement non, mais vu ce match, oui. C'est ça. Ah bah ouais, on va pas l'enterrer trop vite cette fois. Hein. Il récupère l'invité de fleuve. Peut-être qu'on n'a pas vu, mais depuis tout à l'heure, il se fait un réseau de pièges répus. Ça doit être ça, ouais. Je pense c'est la solution pour s'en sortir. Ouais. Non, mais là, les cas, ils passent un tour sur le SRAM et c'est fini. Ouais, à peu près, ouais. Bon, après, il y a quand même 37% terre et 95 repos, donc. Ouais, mais. Je sais pas, mais oui, le met tarif. Toi qui meurs pas derrière. Mais même sur ça, il met des destins à 1000, hein, les cas. Ouais. À 1000? Franchement, ouais. Oh, non, je pense pas. Allez, allez, vas-y. Allez, c'est un 700... Moi je dis 1000. Moi je dis 100% 1000. Moi je dis 800. Allez, 810. 850. 930. Bah, pire entre 850 et 1000. C'était pile 930. Mais ça va, il a eu la réponse. Il a lu et la réponse. Non, j'ai juste lu. Hein. Non, mais je sais, ouais. Oh, incroyable. Et là, du coup, ouais, c'était fini. Oh, c'est incroyable. Et donc, du coup, c'est Committee of Legends qui l'emporte face à Croco Scott finalement, alors qu'on était à peu près certains au moment du résultat inverse. Voilà, ça abandonne, c'est... de toute façon, c'est plié. Ah, félicitations, vraiment. C'est un match de légende, hein, gagné par des légendes, voilà, tout simplement.